Ce deuxième week-end était très intéressant puisque sur le premier week-end, on a surtout installé la Convention citoyenne. Donc on a un peu travaillé quand même, mais on a surtout installé la Convention citoyenne. Cette deuxième session, on est rentré vraiment dans le vif du sujet sur nos thématiques à travailler, notamment pour ce qui me concerne, c'est le commerce, la consommation. Et on a eu aussi, là, sur la première journée, la parole des experts qui nous ont permis de pouvoir étoffer certaines connaissances et puis bâtir le socle commun pour l'ensemble des citoyens. J'ai beaucoup travaillé sur ma thématique. En fait, j'espérais au départ travailler plutôt sur le déplacement et le transport. Et je me suis retrouvé sur la consommation, donc sujet aussi très intéressant. Hein. Mais du coup, il m'a fallu un peu étoffer mes connaissances. Donc j'ai beaucoup travaillé à rechercher des documents, des informations sur la consommation, l'impact carbone de la consommation des Français, et essayer de me faire une idée sur les leviers sur lesquels on peut agir pour être tout de suite efficace dans le groupe de travail. Entre nous, il y a une très bonne entente, il y a plein d'enthousiasme. On sent quand même que dans l'hémicycle, la première journée de cette deuxième session, on a la démocratie participative qui doit se mettre en place. Il y a des gens plus pondérés, il y en a d'autres un peu plus actifs, un peu plus acerbes. Mais bon, dans l'ensemble, ça va très bien. Et puis là, on voit le jeu se calme. Je pense qu'ensuite, avec les débats, on va avoir pris le pli et je pense que les échanges seront plus constructifs et meilleurs. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sur la consommation, on a travaillé dessus. Donc j'espère qu'on va pouvoir sortir des propositions techniques et notamment aider les Français à avoir un comportement plus vertueux vis-à-vis de la planète dans la consommation quotidienne et puis essayer d'inciter une nouvelle consommation écologique.